Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à Mamoudzou. Mamoudzou et Cavani. Saou. Nous voici à Mamoudzou. On va essayer aujourd'hui d'aller un petit peu à Cavani. Assalamu alaikum ceux qui sont là sur le live. Beaucoup de malgaches, elle est malgachine, à Zalaï. Donc pour ceux qui sont sur le live, on se trouve actuellement à Mamoudzou. Donc j'avais déjà commencé à filmer à Mamoudzou. Il fait très chaud. On passe par le conseil départemental là. Wenza Tambo. Donc ici c'est le conseil départemental. On a Tambo tout le monde. On est beau. Donc là on monte direction vers l'hôpital de Mamoudzou. On va appréhender Cavani par ce côté. Je vous demande de partager le live, ceux qui sont sur le live. N'hésitez pas à partager. Partagez les amis.
beaucoup de soutien, parce que ça c'est du travail que je fais là. Je vous montre Mamoudzou. Donc il y a une salle de cinéma ici à Mamoudzou, à côté du conseil départemental, la salle de cinéma. Ça c'est quoi? Il y a des bâtiments, tu sais même pas ce que c'est. Hein? On sait même pas ce que c'est. Je sais pas à quoi ça correspond ce bâtiment-là. Centre de Nyamba. C'est la secours catholique. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est en fait. Là t'as une pharmacie. T'as une pharmacie ici. Là où j'ai vécu mon enfance, c'est ici, à gauche. C'est là. J'ai vécu toute mon enfance ici. Là, c'est chez la famille Vita Mamoudzou, ici. Donc, j'ai vécu là-dedans. Ici, ma grand-mère m'élevait là. Donc, j'étais juste en face. Vous voyez, pas loin de l'hôpital. C'est encore chez nous, hein. Donc voilà, là où Vita a grandi. Je monte un petit peu à l'hôpital, après on va redescendre. On va se faufiler d'ici jusqu'à Cavani. Normalement il y a un chemin jusqu'à Cavani. Je devrais bien me retrouver. Je dis bien, je devrais bien me retrouver. Je devrais bien me retrouver. Alors, l'hôpital est où là? L'hôpital. On n'est pas loin. On n'est pas loin de l'hôpital. Salut. Donc, direction l'hôpital. Mamoudzou, les amis, pour ceux qui ne sont pas au courant, on est à Mamoudzou. Donc, le grand hôpital de Mamoudzou. Voyons voir ça. Et ça, c'est quoi ça? Oui, il y a plein de barbelés, on ne sait pas ce que c'est. Il y a plein de barbelés. Je ne sais pas ce que c'est en fait. C'est quoi, Kéké? Ok, direction de finances publiques. Mais c'est obligé d'avoir des barbelés en fait. Je comprends pas là. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi particulier pour qu'il y ait des barbelés? Non mais regardez ça. On dirait une prison là. On dirait une prison, je vous le jure. Ah ouais, c'est une prison leur truc là. N'hésitez pas de partager les amis. N'hésitez pas de partager le live. Là, on doit pas être loin de l'hôpital. Bien, on doit pas être loin de l'hôpital. La prison de Mamoudzou, l'hôpital. Voilà. Et nous voilà à l'hôpital de Mamoudzou, les amis. Ça c'est quoi, police nationale? Il y a juste la police. C'est la Mourazini. Ah.
Donc l'hôpital de Mamoudzou ici, nous y sommes. Donc vous voyez bien, là si je prends ici, c'est direction Cavani. Je vais bien regarder la chose. Alors, si je prends là, si je prends ici, ouais. Donc l'hôpital, alors à l'entrée, hôpital de Mamoudzou, vous voyez bien. Donc nous, on va pas aller à l'hôpital, mais je vous présente juste la chose. Vous voyez, c'est ça, là on y est, là c'est accès, accès pompier ici, accès piéton, je crois que c'est en haut, accès piéton, et puis voilà, vous y êtes, je sais pas, je vais essayer de rentrer dedans, hein, mais c'est pas possible, je vais perdre beaucoup de temps. Je vais perdre beaucoup de temps en rentrant là-dedans là. C'est bien. Donc on va redescendre. Je peux pas filmer dans l'hôpital parce que j'ai pas le droit de. J'ai pas d'autorisation pour filmer là-dedans. Normalement les établissements sont soumis à une autorisation, donc on va pas se mettre dans la merde. Donc je cherche le chemin pour descendre à Cavani. D'accord? Le chemin pour descendre à Cavani. Et là. Donc. Alors attendez, parce que je fais un point de topo là, par où je peux couper, par où je peux couper pour il faut que je coupe pour aller à Cavani. Attendez, en partant d'ici, hop. Donc, ok, je vais prendre par ici. Bon, le mieux c'est de passer par en haut, hein. c'est de faire le tour. On va faire la boucle, on va passer par le haut là pour aller à Cavani. Mais je vais tout faire à pied avec vous, hein. Donc on va monter pour faire la boucle et descendre à Cavani.
Aïe, aïe, aïe. L'hélicoptère d'urgence, il est là, le 15. L'hélico est ici. Oui. Donc, ouais, je me retrouve pour la route là. C'est la route qui va jusqu'à Kaweni. C'est la route qui va jusqu'à Kaweni ici là, quand tu descends là. Et là, nous on va à gauche. D'accord. Tribunal. Ici, vous avez un tribunal. D'accord. Donc, les amis, j'explique cette route. C'est la route qui descend jusqu'à Kaweni. Quand vous arrivez à Kaweni, là-bas, vous avez un rond-point à côté. C'est quel bâtiment? J'ai oublié le bâtiment qui est à côté. Mais ça descend directement à Kaweni, au rond-point de Kaweni. Et quand vous montez, la route qui monte au niveau du rond-point pour monter à Kaweni et non pour aller à Mamoudzou, vous allez tomber directement sur cette route qui va jusqu'à Kaweni. Ça a beaucoup changé en tout cas. En tout cas, ça a beaucoup changé, d'accord. Donc Luna, là, nous, on prend en face. On va aller en face. Vous voyez un petit peu le changement. Pour ceux à qui ça fait des années qu'ils ne sont pas venus à Mamoudzou. N'hésitez pas à partager le live, les amis. Je vous amène chez vous, pour ceux qui sont de Kaweni, ceux qui sont de Mamoudzou, vous voyez un petit peu le développement des infrastructures, les routes, etc. Alors, oula, ça va? C'est quoi son projet là en fait? J'ai pas compris son projet avec sa tête. Aidez-moi, hein, aidez-moi. Hein.
J'ai vraiment pas compris le projet avec sa tête et ses cheveux. J'ai vraiment pas compris, hein. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a un projet. Il y a un projet avec sa tête et ses cheveux. Il sait pas s'il va mettre du jaune ou du vert. Je sais pas. Donc les amis, on continue. Donc je vais vous montrer, regardez. Ça descend. Ça rappelle ici Cavani. D'accord. Je vais me mettre en hauteur pour que vous voyez. Cavani, le stade de Cavani, il est en bas. Donc on va descendre jusqu'à là-bas. Donc là, tout ça, c'est Cavani. Donc nous, on va descendre. Hé, hey, Bako, calme-toi. Oh. Oui, 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 oh, oui, oh. Oh, Bako, ma chacun, Ming Bako, oui. Donc là, on descend. On va descendre. On descend, les amis, on descend. On descend gentiment. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de vous montrer tout ça. En tout cas, moi, depuis 17 ans d'absence, ça a beaucoup changé un petit peu ici, d'accord? Les choses ont changé. Tout ça ici, je passais à pied tout le temps. J'étais en train de passer à pied ici. Regardez comment c'est développé. En termes d'infrastructure, ça a beaucoup changé. D'accord. Je vais vous montrer encore. Ici, on a une petite vue ici. Sympa. D'accord. On a une petite vue sympa. Vous avez vu, là vous avez le stade de Cavani. Donc t'as quelques bidonvilles quand même. Là-bas il y a un petit bidonville. Là aussi. Mais la plupart c'est très bien développé. Les gens ont construit. Donc super. Ça c'est une bonne nouvelle. Bon, on continue. On continue. Continue. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, hein. Ça on peut le dire, les infrastructures, tout ça, les bâtiments, l'architecture, ça a beaucoup évolué, ça s'est bien développé. Bon, tous ici, là, quand je vivais à Mamoudzou, parce que j'ai grandi ici, j'ai grandi à Mamoudzou, j'étais tout le temps en train de marcher ici. Je marchais pour aller chez ma grand-mère à Cavani. J'avais ma grand-mère là-bas aussi. Donc on va prendre le chemin parce qu'il y a beaucoup de circulation. On va couper ici. Voilà, il y a un chemin ici. C'est parfait. Fais-moi comme ça. Ce qui est un petit peu dommage chez nous, c'est que... qu'il n'y a pas de passage piéton. Comme vous voyez, la route... Il n'y a pas de passage piéton. Alors du coup, comment tu fais?
n'y a pas une sécurité en fait, il n'y a pas une sécurité. Ni les handicapés, ni les piétons, ils peuvent emprunter des passages sûrs. D'accord ? Là, c'est toujours critique. Comme vous le constatez, ça reste toujours très dangereux. Ça reste dangereux quand même. Ça reste dangereux. Une itinéraire bien dangereuse. Mais il va falloir vraiment que les gens réfléchissent pour le bien de l'île, qu'on puisse développer. Tu vois là, on passe ici et arrivé au bout, plus rien. Tu viens de ce côté-là, là, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place de piéton. Tu passes, mais c'est pas aménagé, piéton, attention. Ne pas rouler ici, attention, tu vois. C'est un petit peu dommage, c'est ça, c'est des petits trucs comme ça qui nous manquent chez nous. C'est des petits trucs comme ça. Donc, je cherche le chemin pour... Si je prends ici, normalement si je prends là, je peux couper. Je vais couper jusqu'en bas. Donc, bienvenue à Cavani, les amis. Là, c'est ici, c'est Cavani, d'accord ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ici, là? Donc, Cavani, les amis. Là, on est à Cavani. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ici, là? Parc enfant. Bon, c'est toujours ça. Il faut essayer. Donc, Cavani, les amis. Alors, ça va? Ah. Ok, là il y a un chemin là, on va prendre ici. Putain, les bidonvilles, tu les vois de loin. Hein. Quand tu regardes le hauteur, tu vois. Doukabé. Lui, il a pris partout, toutes les villes, il est là, Doukabé. Il est malin. Alors, moi, je suis un enfant d'ici, hein. Mamoudzou, Cavani, c'est chez moi, wesh. C'est quoi, ça?
c'est sympa quand même, hein. C'est sympa Cavani, hein. C'est très sympa. Ce que je vois, c'est très sympa. Ça donne envie, quoi. Ça donne très envie. Cavani, on est à Cavani, les amis. Là, c'est Cavani, regardez bien. Les infrastructures. Super bien. Maintenant, il faut que je me faufile, maintenant. Il faut que je me faufile. Donc, on va monter. Comment ça peut voir là, il y a des gouttes. Salam alaikum. Oh, ça va. On va faire tout ça. Ouais, mais. On a Vita. Vita Dimas. Vita Honbe. Tu es un droit. Hein? Vita Mamoudzou. Vita Baba et où joue les Mamoudzou joue les dans l'hôpital. Salam alaikum. Ah, toi là, allez, on t'a montré ce que j'ai dit. Tu as bien. Nous sommes bien, nous sommes tous à la Kavan, nous sommes tous à la Kavan, nous sommes tous à la Kavan, nous sommes tous à la Kavan. Nous sommes tous à la Kavan, nous sommes tous à la Kavan. 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 Je suis choqué que j'ai un chemin là pour descendre à gauche. Ça fatigue quand même de beaucoup marcher comme ça là. Beaucoup de déchets toujours, hein. On en trouve des déchets, beaucoup d'épaves de voitures, ça on en trouve encore, il y a beaucoup, c'est fréquent, hein. C'est vraiment fréquent. Donc on va prendre ici, putain je me rappelle le truc qui est un petit peu particulier, c'est que je me rappelle de rien. Pourtant, quand j'étais gosse, je traînais ici, là. Je traînais partout. Je traînais partout à Mamoudzou, Cavani. Quand même. Et ma Finistère. Ma finesse, bonne toi ma finesse. Nana dit.
Donc, Cavani, je rappelle les amis, Cavani. À Cavani ici, ils aiment beaucoup les motos, hein. Ils aiment beaucoup les motos. Donc, je rappelle les amis, Cavani, le petit village de Cavani. Enfin, caserne de Mamoud. Cavani. Là, tiens. Alors, on est où ici là? On est où? Ok, on est là. Oui, oui, je fais attention. Il n'y a personne qui va me couper ici. C'est moi qui va couper. Les coupeurs de route, ils ont juste le malchance de tomber avec moi. Il ne faut pas qu'ils tombent avec moi parce que ça risque de leur coûter cher. Eh ouais. Alors. Wow! Grosse surprise. Grosse surprise là. Regardez-moi ce bordel là. Putain. Alors là, je sais pas combien de temps les poubelles sont pas passées, mais. Wow! Quelle surprise, mais quel bordel. Cavani. Ok, vous avez vu l'exemple. Pourtant, vous savez, c'est la caserne de Mamoudzou. C'est la caserne de Mamoudzou, vous êtes au courant avec moi. Vous avez vu, hein. Moi j'ai rien dit, vous avez vu. Bon. Moi je vais vous montrer le stade. Vous avez vu l'accumulation des poubelles? C'est une caserne de Mamoudzou. Cavani. Le stade de Cavani. DCSJS, Direction de la Cohésion Sociale de la Jeunesse des Sports.
C'est ici. Eh oui. Bako wazini tawajao ni hana babo. Ambo de miraka vani ne. Inch'Allah. Donc, comme je disais, les amis, y a une question qui revient souvent pour DJ Moussa. DJ Moussa, il est, on va dire, il est là où il est. Voilà. Ne faites pas revenir la question souvent, parce que on va dire, c'est sensible. Ouais, c'est sensible. Alors maintenant, on continue, moi et Jaye, et puis voilà. On a apporté ce qu'on a pu apporter. La vie a fait que voilà. On en arrive à cette situation, quoi. Donc voilà. Respectez les choix, respectez. On est là avec vous, hein, toujours, et voilà, on a apporté pour ceux à qui on a pu apporter, aider, etc. Et puis aujourd'hui, on avance, hein, et puis s'il faut, on aidera une personne d'autre, on fera des choses à une personne d'autre, mais on respecte tout le monde, on respecte chacun, on respecte chaque personne avec qui on a collaboré, on a été ensemble, voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, les amis, je vous présente le stade de Cavani. Regardez-moi le bordel. Regardez-moi ça. Donc, c'est ici que c'est censé être notre jeunesse pour nous représenter. Regardez l'état. Je vous montre. Hein. Je vous montre ce que c'est Mayotte. Hein. C'est ça Mayotte. Mayotte, c'est ça. C'est des trucs aberrants comme ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Des projets non aboutis. Voilà, des projets non aboutis. Ça, c'est pas abouti. Ça fait je sais pas combien de temps c'est en travaux. C'est pas fini. Mais comment voudrez-vous que Mayotte se développe comme ça? Franchement, c'est une honte. C'est une honte quand même. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Énorme. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte parce que on a besoin de beaux stades, de belles infrastructures pour que Mayotte puisse être développée. Et oui, on peut pas faire du sport dans ces conditions-là. Je sais même pas quelle. Là, c'est le gymnase de Cavani. Vous savez, tout le monde venait ici. On venait jouer ici, les finales et tout ça. Je ne sais pas ce que c'est devenu. On va jeter un coup d'œil. Hein. Peut-être une grosse surprise. Hein. Peut-être serais-je dessus. Bon. Je vais remettre mon masque. Bonjour. Oui. Non, je regarde. C'est un centre de vaccination? Non,
Non, ok, d'accord. Ok, centre de dépistage. Le gymnase est transformé en centre de dépistage. Ok, ok, ok. Bon. Alors, question sérieuse. Le développement. Vous avez vu la gueule du stade? Vous avez vu la gueule du stade de Cavani? Pourtant, c'est le plus gros qu'il y a ici. Enfin, le plus gros qu'il y a entre Mamoudzou et ici, voilà. C'est celui-là. Donc, je vous laisse un petit peu imaginer ce que je viens de vous montrer. Je vous laisse un petit peu imaginer. Alors, je vais passer. C'est vraiment le bordel. C'est vraiment le bordel ici, là. C'est le bordel. C'est dégueulasse. Regardez, regardez. Je vous montre, regardez, on est en France. Hein. Regardez. Il y a des trous partout sur les parkings. Regardez-moi ça. Je sais pas. Quand on leur dit de travailler, de faire des routes, eux, ils font des piscines. Ils font des piscines, ils font des trucs comme ça, là. Mais comment? Franchement, je comprends pas. Hein. Je me posais toujours des questions. Est-ce qu'on est compétent ou incompétent? C'est ça la question. Hein. Est-ce qu'on est compétent ou incompétent? Vraiment. Ah la vache. Maskiniatu. Maskini à tout, maskini. Et c'est censé être quoi ici là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein. Je ne peux pas vous répondre, les amis. Je fais que constater comme vous. D'accord? Je bascule de l'autre côté parce que j'ai pas envie de mourir aujourd'hui là. On n'a jamais de trous piétons, hein. Jamais. Tu vois jamais. Ils réfléchissent pas en fait. Ils réfléchissent pas. On fait une route. Il y a côté piéton et vélo. Non. Ils font une route. Route. C'est tout pour les voitures et les piétons. On les emmerde. Et donc, ce qui fait qu'il y a des morts. C'est ça qui fait qu'il y a des morts. Parce que les routes, elles sont dangereuses. Très dangereuses. Les routes, elles sont dangereuses à Mayotte.
Eux, ils nous prennent pour des cons là. Ils nous prennent pour des cons. Rond-point de Cavani. Là, tu as direction Bandélé, direction Bandélé et Sada. Direction le nord. D'accord, chez nous. C'est bon dedans. Merci. Dis donc, ils sont civilisés ici. Ils s'arrêtent, c'est dès le passage. C'est bizarre. Noir. Moi j'ai bien ça. Noir et blanc. Bien. Oui. On doit changer. Je vais passer là ici, c'est pas. Je suis sur le live. Je suis sur le live, faut pas m'appeler. Bon, ceux qui m'appellent quand je suis sur le live là, je peux pas vous parler parce que vous me coupez la connexion. Donc arrêtez de m'appeler. Appelez-moi après. Oh là là, c'est pas possible ça. Hein?
Donc là, j'ai pris le rond-point de Cavani, là, direction Mamoudzou. Donc alors je vais donner la localité là. Donc là Là, on a pris direction Mamoudzou, d'accord. Quand vous venez de Cavani pour aller à Mamoudzou, ben, la route. Donc moi, je vais passer au niveau de la mer, que je puisse... que je puisse voir la mer. Ça a beaucoup changé en tout cas. Ici, tout ça, je traversais à pied. Ça a moins plus. Décharge sauvage. Virgé. Pachia babo. Ah. Allez, oui. Allez, oui, ta bicyclette cachino, lui. Ah. Noa vurga tout. Vurga au kirubiji. Hé. Nyo. Allez, oui, bago.
Majiranesh. Ça vous n'a m'rangale bête à armoire danger. N'a m'rangale bête à armoire danger. Ça vous n'a m'rangale bête à armoire danger. Ça vous n'a m'rangale bête à armoire danger. Ça vous n'a m'rangale bête à armoire danger. Si je Ele mandou machaca, machaca, machaca. Alors, c'est quoi ça? Collège de Mgombani. Mgombani. Oh putain. Regarde-moi ce bordel là, comment c'est dégueulasse là. Regarde. Ah ouais, comment c'est dégueulasse dehors là. C'est un centre d'éducation. Hein. C'est dégueulasse. 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 C'est ces jeunes même qu'on devrait dire de nettoyer ici. Parce que c'est inadmissible de voir un collège comme ça. Donc ici on est à Mgombani, d'accord? Il y a des résidences. Il y a des résidences. Ouais, c'est pas mal. Regardez. Ça c'est des résidences. Je pensais pas qu'on avait ça ici, mais on voit bien. Les résidences où on peut louer, d'accord, type HLM, tu vois, avec des interphones, tu vois. Donc c'est pas mal, il devrait en avoir de plus en plus. Comme ça, si on veut louer comme en France, on peut louer comme à Mayotte. Donc voilà, on peut louer, que ça soit ici ou ailleurs, si on a envie de louer, on peut louer facilement. Donc ces types de bâtiments, on devrait en avoir plusieurs dans chaque commune, d'en avoir des résidences locatives. Comme ça, les gens ils peuvent venir pour louer. S'ils ont envie de louer. Eh oui. Donc. Ah, il fait très chaud. Très chaud, les amis. Aïe, 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 aïe. La chaleur. La chaleur, les amis. Ah là 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 là.
On va prendre. Donc là, on retourne à Mamoudzou. Donc là, on est arrivé à côté du conseil départemental à Mamoudzou. Donc là, on est à Mamoudzou déjà. La mairie de Mamoudzou, ici même. Donc les amis, ma mairie de Mamoudzou, je vous présente la mairie de Mamoudzou. Et donc, ah, ça fait du bien, du vent frais les amis. Donc là on arrive vers la barge. On arrive vers la barge. Babou Siwa. Ah bon? Bon, voilà les agents d'entretien. Les agents d'entretien. Wow. Ça se voit public? Oui, Kulishi. Arrêtez-moi une joie.
Voilà, on est revenu à Mamoudzou, les amis. J'ai chaud. J'ai chaud, mais chaud, très chaud. Vous avez de l'eau? À la Minute Maid pomme, s'il vous plaît. €2 la canette. Ça vous qui a nyawe? Ça vous n'a pas de harma danger? N'a pas de harma danger? Mono jai, tu l'as vu le jai. Ça vous m'aïs mania ou jai. Tu l'as vu le bé, comme à mon angou, vous avez harakarak. Ça vous m'aïs mania ou rangale bera harma danger. Canetini 2 €. Ça vous sonna mani tambou. Ah, bakoum proton gamia hon bak. Oui. Oh. Canet, beaucoup canet de boisson, beaucoup 2 €. Oui, masquinero. Aïe, on va changer la tirade. Donc, on a un peu de maïs, j'ai un peu de maïs. Akash coupe petit terroule, jaronana. Alhamdulillah. Toa misregean heye Mtamboro Portona nasquangina Alhamdulillah Bako mwana kane toa boisson bako 2 €. Bas nam hetse 3 € bas. Nam hetse 3 € kabstabu. Nzo jom hetse ta 4 €. Rtso tsaha kamem. Oui. Oh. Pourquoi nous avons déjà dit? Mais on a quand même été petit peu beaucoup. Oui. Oh. Non. Non. Là, on est au rond-point de Mamoudzou. On est à Mamoudzou, en plein cœur de Mamoudzou là. Voilà les amis. Salut, salut les amis. Donc, on a fini de tourner un petit peu. On a eu une heure et quelques ensemble. Donc c'est assez. Restez connectés pour les nouvelles aventures à suivre sur d'autres villes, d'accord. Pas que Mamoudzou. Aujourd'hui j'ai fait Cavani, d'accord. Et un petit peu à l'hôpital de Mamoudzou aussi.
Jay est avec nous, j'ai vu Jay aujourd'hui. Je lui souhaite bon retour à Petite Terre. Et moi, je vais redescendre à Mzamboro. On se voit très 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 vite, les amis. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous garde, Inch'Allah. Et que Dieu vous protège de la maladie. Que Dieu vous donne que le meilleur, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.